Procédure qui a un rapport avec assassinat président de la République, là, M. Jovenel Moïse, les transféré dans le paquet tribunal première instance. Rapport ça, il y a 5 tomes et il y a un résumé de 124 pages. Et dans 4 dossiers, il y a 44 personnes qui sont arrivées interpellées. 44 personnes, il y a 18 Colombiens, Melis Mounayo, il y a 4 Haïtiens américains et nous avons 22 Haïtiens. Parmi 22 Haïtiens, nous avons 20 policiers. Mais toute liste, non monde qui participe. Et ça, nous avons image tout le monde qui est impliqué depuis en haut dans le dossier. Ça, c'est image relation qui existe entre eux, contact qui prend entre eux. Ça, c'est image qui représente. Gagner quelques âmes qui arrivaient transférées dans le parquet. Nous avons image là. Ça, c'est âmes qui arrivaient saisies par plusieurs personnes et nommées. Colombien, ça c'est toutes âmes, ça yo qui là. Nous gagnons 61, nous gagnons 11 fusils automatiques, 15 pistolets et 34 autres âmes de tout calibre. Nous gagnons M1, nous gagnons 12, nous gagnons M30. Et nous gagnons des gilets par balles et nous gagnons 3 grenades à fragmentation qui ont été arrivées saisies. Parmi les pistolets, nous avons surtout là, nous gagnons ces âmes policières qui travaillent dans le jour. Car le président que les Colombiens ont été prendre en main. Parmi les pistolets, nous sommes là. Gagné une quantité d'argent, ils ont joint sous 3 Colombiens qui ont joint dans l'assassinat du président. L'argent, ça, c'est l'argent qui a été joint sous eux, qui représentait une valeur de 40 480 $ US et 117 475 goudes. Vous voyez tout ça aller dans le parquet.